Voici Binou. Il est génial, je suis formidable. C'est nous, Toupi et Binou. Un peu de céréales pour moi et un peu pour Binou. Oh, et un peu pour Monsieur Mou, bien sûr. Oh non! Tu as vu ça? Il y a des miettes de céréales partout maintenant. Mais non, Binou, reviens par ici. On n'a pas besoin d'un balai. Non, 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 non. On a besoin du gob tout magique. Tu vas voir, c'est très facile à fabriquer. Tout ce qu'il nous faut, c'est la boîte de céréales et une grande chaussette. Et voilà. Un gob tout magique. Je n'ai qu'à l'allumer. Et c'est parti. Il aspire tout sur son passage. Tu vois, plus de miettes et de céréales. Et maintenant, je vais l'éteindre. Hé, toi, reviens par ici. Oh, regarde-le. Il est incroyable. Oh non, Binou, le gob tout magique a même aspiré Monsieur Mou. Mais ne t'en fais pas, on va récupérer Monsieur Mou. Hé, hey, mais qu'est-ce que... Le gob tout aspire vraiment n'importe quoi. Mais non, reviens ici. Tu as avalé Monsieur Mou. On doit l'arrêter, Binou. Oh. Il a l'air d'avoir drôlement faim. Gob tout magique, ça suffit maintenant. Oh non. Il s'est encore sauvé. Et il a toujours faim, c'est vraiment incroyable. Il ne sait pas comment s'arrêter. Binou, le gob tout magique a aspiré tout ce qui était dans la maison. Tu entends? Je crois qu'il a le hoquet. Oh non, maintenant il aspire tout ce qu'il y a dehors. Les nuages aussi et les... Ouah! Tu as vu ça, Binou? On est dans l'espace. On ne peut pas aspirer l'espace. Oh non! Peut-être que le gob tout magique est capable de tout aspirer. Bon, ça y est. Le gob tout doit enfin avoir le ventre plein. Il a aspiré la maison, la terre, la lune et... Même... Monsieur Mou. Attends une minute. Je sais comment le récupérer. Suis-moi, Binou. Parfait. Il faut se placer en plein devant. Oh, oh, oh. Ah! On est dans le ventre du gob tout magique. Je suis sûre que Monsieur Mou est ici quelque part. Cherche par là, je cherche par ici. Oh, attention à l'arbre. Binou! Binou, où es-tu? Quoi? Tu as retrouvé le sofa? Et le coussin? Et un serpent? Il y a un serpent qui se cache sous le coussin? Bravo, tu as trouvé Monsieur Mou! Oh, tu es formidable! Oh là! Oh non! Je crois que le gob tout magique a trop mangé! Et quand un gob tout magique mange trop... Attention, Binou, il fait un roux. Et voilà, on a retrouvé Monsieur Mou et toutes nos choses sont revenues à leur place. Même les miettes de céréales. Hé, hé, attends une minute. Je viens d'avoir une autre idée. Voilà, je vais maintenant inventer une super brosse à récurer musicale. Et je sais justement comment en fabriquer une. Miroir, miroir, miroir joli, qui est le meilleur de tous les toupies?
Moi? Vraiment? Non, impossible. Bon, si vous le dites. Miroir, miroir, miroir joli, qui est le meilleur, meilleur de tous les toupies? Encore moi? Oh, vous me flattez. Vous êtes sérieux? Vraiment? D'accord. Wow! Je me demande où je suis. Miroir, miroir, miroir joli, qui est le meilleur de tous les toupies? Quoi? Moi? Oh non, vous êtes fous. Miroir, miroir, miroir joli, qui est le meilleur de tous les toupies? Miroir, miroir, qui est le meilleur de tous les toupies? Oh, miroir, 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 qui est le meilleur? Qui est le meilleur? C'est moi le meilleur de tous les toupies. Mais de quoi tu parles? Je suis le meilleur toupie. Tout le monde sait ça. Et qu'est-ce que tu racontes? Non, tu n'y es pas. Je suis le meilleur toupie. Non, non, je suis le meilleur. Je suis le meilleur. C'est moi. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur toupie. C'est moi. Non. Alors, moi. C'est moi le meilleur parce que c'est moi qui chante le plus fort. La 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 la. C'est vrai que c'est fort. Bon, alors je suis le meilleur toupie parce que j'ai les plus longs cils du monde entier. Wow. Oh, c'est vrai qu'ils sont longs ces cils. Wow, 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 wow. Je suis le meilleur toupie parce que je sais compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, regardez-moi, je sais attacher mes lacets. Je croise, je fais une boucle et tadam! Je suis fort. Eh bien, même moi, je sais bouger mes oreilles. Regarde. Et moi, je sais faire la roue. Je suis le meilleur. Attendez, attendez. Regardez-moi. Je sais faire ça. Voilà. Waouh. Moi, je ne sais pas. Excusez-moi, le meilleur toupie. Excusez-moi, je suis le meilleur toupie. Oui, pas toi, c'est moi, je sais, parce que je suis le meilleur toupie. Mais je suis toujours le meilleur toupie. Regardez-moi, je suis toupie. Je suis toujours le meilleur toupie. Regardez-moi, je suis toupie, regardez-moi. Toupie numéro 1, je suis toupie, regardez. Je suis le meilleur. Non, je suis le meilleur toupie. Toupie, regardez-moi, c'est moi. Je suis moi, je suis le meilleur. Tu peux faire des jeux de mots si tu veux. Je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur. Mais de quoi parlez-vous? C'est moi, 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 moi. Toi? Mais tu racontes n'importe quoi. Tout le monde peut voir que c'est moi qu'on peut s'entendre. Non, 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 c'est moi, 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 moi. Et je ne veux plus entendre un mot de toi ou de moi. Oh, qui est le meilleur toupie, le meilleur des meilleurs? Ça saute aux yeux, on est d'accord, c'est toupie le meilleur. Youhou! Attention, le meilleur toupie fait la roue. Mentard, écoutez ça. Regardez-moi, je suis Regardez-moi, je suis le meilleur. C'est moi, toupie. Je suis le meilleur toupie. Je croyais que j'étais le meilleur toupie. Je suis le seul, l'unique, l'incroyable et authentique toupie. Mais pourquoi je serais le meilleur? Attention, oh, Binou! 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 Oh, je suis tellement heureux de te revoir. Maintenant, je sais pourquoi je suis le meilleur toupie. Parce que j'ai Binou. Oh, il a raison. Oui, c'est vrai. Il n'y a rien c'est comme sûr. Un Binou. Oh, oh oui, ça c'est vrai. Oh oui! Allez, on rentre. Oh! Oh. Miroir, oh, miroir, 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 miroir joli, qui est le meilleur de tous les toupies? C'est moi, hein, Binou? Je suis sûr que je peux te faire rire. Attention, tu vas rire. Tu joues drôlement bien, Binou, mais c'est moi le meilleur. Tu vas voir, je vais te faire rire. Et c'est moi qui vais gagner la partie. Regarde. La 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 la.
la 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 Qu'est-ce que je pourrais encore faire? Oh, je sais. Je crois que je suis un peu fatiguée. Je vais me reposer un petit instant. Binou, ce n'est pas moi, Binou. Je ne te chatouillerai pas. Je ne fais que me reposer. Non, ce n'est pas moi. Regarde, je n'ai rien dans les mains. Tu vois, il n'y a rien. C'est sans doute Monsieur Chatouille. Quoi? Tu ne me crois pas? Monsieur Chatouille peut être très rusé, tu sais. Tu vois bien que c'est lui. Oh, méfie-toi. Oh non, encore Monsieur Chatouille. Ça y est, il est enfin parti. On ferait mieux de le retrouver si on ne veut pas se faire chatouiller pendant la nuit. Monsieur Chatouille, allez, sortez de votre cachette. Ah, il est là. Derrière la porte. Vite, vite, vite. Il devrait être ici. Quoi? Hé. Je ne vois plus rien. Veux-tu bien t'enlever de sur ma tête? Non, j'ai dit non. Allez, va dans le tiroir et profites-en pour faire un petit dodo. Ouf. Binou, oh. Attends, je vais t'aider. Des fleurs chatouilles? Pas de problème. Je verse un peu d'eau. Et voilà. Allez, viens, on n'a pas le temps de se reposer. Il faut retrouver Monsieur Chatouille. Oh, attention, il vient vers toi, Binou. L'as-tu vu? As-tu vu Monsieur Chatouille? Ah non! Monsieur Bou fait aussi des chatouilles maintenant! Oh, bravo, Binou! Oh, vite, au pot de biscuits! On ferait mieux de le mettre là-dedans. Ça va, Monsieur Mou. On va te sortir de là aussitôt qu'on aura attrapé Monsieur Chatouille. Hein? Ah oui, dans le pot à fleurs. Chut. Il est juste là. On le tient, Binou. Aide-moi, aide-moi. On doit faire sortir toutes les chatouilles. Oui, ça y est, enfin. Ouf, on est les meilleurs. Je crois que maintenant, on va pouvoir dormir en paix. Bon, on joue encore. C'est à ton tour d'essayer de me faire rire. Oh non, 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 non. Arrête! Non, s'il te plaît, non. Tu es trop drôle. J'abandonne. Je n'en peux plus. Hé! Mais regarde! Tu sais ce que c'est? Une clé! Tu ne trouves pas qu'elle est extraordinaire? Je me demande à quoi elle sert. Voyons voir. Oh, regarde! Un cerf-volant! Qu'est-ce qui arrive si je mets ma clé dans un cerf-volant? Mais tu entends ça, Binou? Ça fait coin coin! Hé, toi, reviens par ici! Tu as vu ça, Binou? Je vole sur un cerf-volant! Ha 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 ha
Ah, je n'entends plus quoi quoi. Et qu'est-ce qui arrive si je mets ma clé dans un ballon? Je vais essayer de la mettre ici et... Il saute comme un lapin. Moi aussi, j'adore sauter. Super. Ah, c'est trop drôle. Hé, tu entends? C'est le même son que tout à l'heure. Comme un gros couac. Binou, est-ce que tu entends toi aussi les coin-coins? Bon, où j'en étais? Oh oui, ma clé. Qu'est-ce que je pourrais essayer maintenant? Qu'est-ce que je pourrais essayer? Oh, le carré de sable! Qu'est-ce qui arrive si je mets ma clé dans le sable? Oh! Wow! C'est complètement génial! Mais pourquoi ça fait coin-coin? Oh, hey, tu as vu ça? Un livre! Qu'est-ce qui arrive si je... Un cochon! Non! Non! Trois petits cochons! Oh! Oh, ils sont trop mignons! Bonjour, je m'appelle Toupie et je... Wow! Bien le bonjour, monsieur loup! C'est moi, Toupie, et je... J'ai trouvé une clé! D'accord, j'imagine qu'ils ne savent pas à quoi elle sert. Bon, où je pourrais l'essayer maintenant? Ah, je sais! Ici! Regarde! Des fleurs qui font coin-coin! Oh, c'est très, très drôle! Mais pourquoi coin-coin? Je ne sais pas. Et qu'est-ce qui arrive si je mets ma clé dans un arbre? Et dans l'eau? Joli! Tu as vu ça? Un bateau! Alors, j'ai mis ma clé dans le sable, dans le ballon, dans le cerf-volant, dans l'herbe, dans le livre et dans l'arbre. Oh, peut-être que... Oui! J'aurais dû y penser avant. Mais bien sûr, un nuage. Qu'est-ce qui arrive si je mets ma clé dedans? Il pleut! Et ça fait coin-coin. Je ne comprends pas, je ne comprends rien du tout. Binou, pourquoi on entend toujours coin-coin? Je ne sais vraiment plus quoi penser. Chaque fois que je mets ma clé dans quelque chose, ça fait coin-coin. C'est complètement fou. Pourquoi est-ce que tout fait coin-coin, Binou? Tu le sais, toi? Je comprends. C'est la clé de Monsieur Canard. Et voilà, je le savais. Tu entends ça, Binou? Même Monsieur Canard fait coin-coin. Jouer, jouer dans l'eau. Jouer, jouer dans l'eau. Jouer dans l'eau avec Binou. Oh, j'adore nager, pas toi, Binou? Et je suis le meilleur nageur du monde entier! Regarde-moi! Qu'est-ce qu'il y a, Binou? Oh, tes flotteurs! Tu as tout à fait raison, tu ne peux pas nager sans tes flotteurs. Bon, où ils sont? Pas ici, pas ici, pas ici. Mais où sont-ils cachés? Non, je sais. Viens avec moi. Ce ne sera pas long. C'est ici. Attends une minute. Voilà. C'est exactement ça. Une toute petite graine dorée. Je sais que c'est une graine et pas des flotteurs, mais regarde bien. D'abord, il faut un peu de terre. Et après, on fait un petit lit. Comme ça. Tiens, petite graine, c'est l'heure du dodo. Oh non, j'allais oublier, il faut de l'eau aussi. On arrose. C'est parfait. Oh, regarde maintenant. Là, tu as vu ça? On dirait que ça pousse.
Allez, allez, un peu plus s'il te plaît. Encore, encore plus haut. D'accord. Allez. Ce n'est pas tout à fait ça. Tu n'es pas censé être une fleur. Wouhou! Ni un balai. Non, pas un parapluie non plus. Un arbre. Tu es censé être un arbre. Un instant, Binou. Tu verras, tu vas être très très content. Mais non, ce n'est pas ça. Pas un pommier. Tu sais bien, comme ça. Oh, c'est super. Mais il faudrait que tu sois plus grand. Allez, allez, on pousse, pousse, pousse. Bravo. Encore plus grand. Oh, c'est merveilleux. Maintenant, il faut qu'il fasse nuit. Avec Madame la Lune. Et tout plein d'étoiles. Et de la neige, bien sûr. Tu vas bientôt avoir tes flotteurs. D'accord, tu es prêt? 1, 2, 3, lumière. Maintenant, il faut des décorations. Et aussi, il ne faut pas oublier ce qui est peut-être le plus important, la musique. Génial! C'est magnifique! Attends-moi ici, je reviens tout de suite. J'ai un petit cadeau pour toi. Ouvre-le, ouvre-le, oh, ouvre-le. Je suis sûre que tu vas adorer ça. C'est exactement ce que tu voulais. Des flotteurs. Viens, on va nager maintenant. Suis-moi. Tu es prêt? 1, 2, 3. Yahoo! Joyeux Noël, Binou. Voilà, tout est parfaitement propre maintenant. Oh, j'adore faire le ménage, surtout avec un truc. C'est quoi encore le nom de ça? Oh, c'est trop drôle, je ne me souviens plus du nom. Oups! Hé! Oh! Regarde, il se passe quelque chose dans le bocal. Binou, c'est toi! Binou, ce n'est pas moi, Binou. Je ne te chatouillerai pas. Je ne fais que me reposer. Non, c'est pas moi. Regarde, je n'ai rien dans les mains. Tu vois, il n'y a rien. C'est sans doute Monsieur Chatouille. À quoi? Tu ne me crois pas? Monsieur Chatouille peut être très rusé, tu sais. Ah oui, je sais comment ça s'appelle. C'est un plumeau. Ouah, tu sais quoi, Binou? Je crois que c'est un bocal magique. Et si on essayait de mettre autre chose dans le bocal? Binou, une pantoufle, c'est une idée géniale. Oh, regarde le sapin de Noël. Oh, 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 joyeux Noël! C'est maintenant le temps de donner les cadeaux à tout le monde! Et qui est le premier? Oh, je sais! Monsieur Chaise! Oh, 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 joyeux Noël, Monsieur Chaise! C'est le cadeau idéal pour vous! Des pantoufles! Oh, c'est vraiment formidable, hein? Vous allez avoir les pieds bien au chaud tout l'hiver! Pardon, Monsieur Chaise. Merci. Oh, mais je vous... Tu t'en rappelles, Binou? Oh, ils étaient drôlement contents de leurs pantoufles. Et si on essayait la carte de Saint-Valentin que je t'ai fabriquée? Oh, c'est tellement excitant. Binou,
Regarde ce que j'ai fait. Juste pour toi. C'est la plus merveilleuse, fantastique et fabuleuse carte de Saint-Valentin. Ouvre-la, il y a une surprise à l'intérieur. Tu vois, j'ai mis plein de jolies petites étoiles. Hé, hey, Binou, regarde, ton pied est devenu tout brillant. Oh, il est trop beau. Ouah, on dirait une botte qui a marché dans le ciel. Oh, l'autre botte aussi. Ah, tu as vraiment l'air d'une princesse. Oh, Binou, tu es trop merveilleux. Hé, hey, mais tu voles maintenant. Oh, je sais, ça doit être de la poudre de fée. Binou, tu es devenue une fée. Binou, attends-moi. Oh, tu es trop drôle. Oh, j'adore les cartes de Saint-Valentin. Et si on mettait Monsieur Crocodile dans le bocal? Oh, je dois l'aider. Toupie de la jungle à la rescousse. Qu'est-ce que je suis bon. Oh. Tout va bien, Binou. Toupie de la jungle vient de te sauver du gros méchant crocodile. Maintenant, tu n'as plus à avoir peur. Toupie de la jungle veille sur toi. Oh, j'étais vraiment bon pour sauter d'une liane à l'autre. Oh, Monsieur Moutonnet. Moutonnet. Oh non. Incroyable. Oh, attends, j'ai une autre idée. Si on mettait tous les jouets en même temps. Est-ce que tu as envie de manger quelque chose de spécial ce matin? Les meilleures céréales au monde. Des loupi-doupis. Bon appétit. Wow, c'est génial! Binou, écoute ça! Il y a une super incroyable surprise magique qui se cache dans la boîte de céréales. Wow! J'adore les surprises! Surtout celles qu'on trouve dans les boîtes de céréales. C'est comme un rêve. Je me demande ce que c'est. Je suis sûre que c'est quelque chose de formidable! Wow! Oh, voyons voir. Ils disent de... Regardez attentivement dans la boîte pour trouver votre surprise. Youpi! J'adore les surprises! Ça peut être n'importe quoi, tu sais. C'est peut-être un éléphant ou un vaisseau spatial. Ou alors une étoile filante. Tirez sur la languette au-dessus de la boîte et ensuite ouvrez le sachet qui se trouve à l'intérieur. C'est vrai qu'il faut d'abord ouvrir la boîte. Mais ça, c'est facile. Je l'ai déjà fait. Ensuite, il faut verser les céréales dans un bol. Et faites attention, vous pourriez voir votre super incroyable surprise magique apparaître. Peut-être que je devrais jeter un coup d'œil dans la boîte. Youhou! Surprise, es-tu là? Est-ce que tu es un éléphant? Ah, je crois que j'ai vu quelque chose là, au fond. Monsieur éléphant, bonjour, je m'appelle Toupie. Êtes-vous ma super incroyable surprise magique? Non. Ce n'est pas un éléphant, c'est un grain de céréales. Mais alors c'est quoi la super incroyable surprise magique? Peut-être que je devrais lire le reste des instructions. Tout est écrit en très petites lettres. Ah, j'ai trouvé! Du blé, du vrai sucre, des loupi-doupi. Hé, hey, attends une minute! Ce ne sont pas les instructions pour trouver la surprise. C'est ce qu'il y a dans chaque boîte de loupi-doupi. C'est vrai que la boîte est remplie de loupi-doupi, mais ce qui m'intéresse, c'est la surprise. J'ai continué à chercher.
Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la boîte? J'ai rien fait, je n'ai rien. J'ai comme un feu de nez blessé. Je crois que j'ai tout lu à l'envers. Je suis vraiment trop drôle. Oh non! Tiens, écoute ça. Votre super incroyable surprise magique existe en 5 différentes et jolies couleurs. Bleu, génial. Rouge, j'adore le rouge. Vert, ça aussi c'est une super couleur. Jaune, c'est super joli. Ou violet, avec des points oranges. Ouah, tu sais, je me demande de quelle couleur sera notre surprise. Et attends, écoute ça. Votre super incroyable surprise magique fonctionne n'importe où. Sous l'eau, dans le noir, sous un arc-en-ciel ou à l'intérieur d'un sous-marin. Même dans l'espace. Ouah, ça c'est trop beau pour être vrai. Oh, c'est super excitant. J'ai tellement hâte. Oh, attends une minute. Je vois qu'ils ont écrit autre chose. Alors, ça dit de faire attention et qu'avant de jouer avec votre super incroyable surprise magique, on doit retirer son emballage. Ah, tu as trouvé la surprise! Bien joué, Binou! Hé! Attends une minute! Il faut retirer l'emballage avant de jouer avec! Tu vas voir! Je suis très bon pour retirer les emballages. Tiens, je vais te montrer. Tu vois? Il faut l'ouvrir comme ça. Si tu veux boire avec la super incroyable paille magique. Alors, ça c'est une super incroyable paille magique, pas vrai, Binou? Binou, tu as vu ça? Il neige. On va aller jouer avec le bonhomme de neige. Oh, regarde-le. Il est tellement mignon. Oh, je l'aime vraiment beaucoup. Pas toi, Binou? Il est tout rond, tout doux et plein de neige. Quoi, Binou? Oui, c'est vrai. Il est un peu petit. J'ai une idée géniale! On va lui donner de la neige à manger. Comme ça, il va grandir et devenir un géant. J'ai toujours des bonnes idées. Voilà. De la bonne neige bien fraîche. Bon appétit, monsieur de neige. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Mais ça pourrait être mieux. Hé, je sais! Peut-être qu'il aime les bananes. Oui, de la neige à la banane. C'est vraiment bon, hein, Binou? On va lui faire des bananes de neige. Premièrement, tu prends de la neige. Après, tu roules, roules, roules. Et tu plies comme ça. Et voilà, une délicieuse banane de neige. Comme celle qui pousse dans la jungle du pôle Nord. C'est pour vous, monsieur de neige. Une bonne banane glacée. D'accord. Pas de banane. Et que pensez-vous des raisins? C'est succulent. Regarde ce que je fais. Je roule, roule, roule. Ça va? Oh, mais bravo! Maintenant, on les colle ensemble. Vous allez adorer ça. D'accord. Pas de raisin non plus. Que diriez-vous d'une savoureuse pastèque? Oh, c'est vraiment bon. Premièrement, on fait un ballon rose et on pousse dans le verre. Là, on la casse en deux et tada! Une savoureuse pastèque glacée. Il n'y a rien de meilleur qu'une tranche de pastèque glacée quand il fait froid, pas vrai, Binou? Maintenant, on va voir si Monsieur de Neige aime ça. Rebonjour, Monsieur de Neige. On a quelque chose de nouveau pour vous. Quelque chose de rose et de vert. Vous devinez?
Oui, c'est ça, de la pastèque glacée géniale, hein. Je ne comprends pas. Monsieur de Neige ne veut pas manger ce qu'on a fait, Binou. Il n'y a pas de raison. Tout est délicieux. Peut-être qu'il préfère que tous les fruits soient mélangés. Regarde, de la neige aux fruits mélangés. Suis-moi, Binou. On va aller chercher une assiette. C'est parfait. Tu sais ce qu'il nous faudrait maintenant? De la neige fouettée sur le dessus. Merci. De la vanille. Et la touche finale, des pépites de chocolat. Oh, c'est comme un rêve. Ça, c'est ce qu'on appelle un dessert glacé. Bonjour, c'est encore nous. On vous apporte une superbe salade de fruits mélangés, s'il vous plaît, avec de la neige fouettée à la vanille et des pépites de chocolat dans une assiette. Vous allez adorer. Non? Ah bon? Peut-être que Monsieur de Neige n'a pas faim. Ou peut-être qu'il est timide. Ou peut-être qu'il n'aime pas la neige. Ou peut-être que... Il a tout mangé! En voulez-vous encore? Ici le capitaine Toupie volant à travers la galaxie, explorant de nouveaux mondes! On a trouvé quelque chose! Allons voir! Capitaine Binou, capitaine toi, poussons le gros bouton rouge! Youpi! Oh! Quel endroit bizarre! As-tu entendu ça? Regarde! Capitaine Binou, tu as trouvé une nouvelle planète! Non? Je vois! Tu as trouvé une nouvelle planète qui rebondit! Non? Je veux dire, tu as trouvé une nouvelle planète qui roule. Hein? Est-ce que c'est une planète? Non! Alors, qu'est-ce que c'est? Ah! Un ballon! Rappelle-toi, capitaine Binou, cette chose étrange n'est pas une planète, c'est un ballon! J'ai attrapé le ballon! Je suis tellement incroyable! Est-ce que tu sais ce qu'il veut? Il veut le ballon? OK! Capitaine Binou a attrapé le ballon aussi! Je l'ai encore attrapé! Oh, c'est tellement excitant! Rappelle-toi, Capitaine Binou, j'aime beaucoup, beaucoup lancer le ballon! Allez! On retourne au vaisseau à la recherche de nouvelles choses à découvrir! Attention! Youpi! Binou, regarde ce que j'ai trouvé! C'est vraiment génial! On n'a qu'à tourner la manivelle. Et attention, tu vas être très, 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 très surpris. Tu vois, il s'appelle Monsieur Surprise. C'est drôle, hein, Binou? Mais qu'est-ce que tu fais? Reviens, c'est un ami. Attends, je vais le remettre dans la boîte. Binou, on essaie encore? Tiens-toi prêt. Je tourne la manivelle. Mais où est Monsieur Surprise? Hey, est-ce que tu entends? Ça vient d'où? Il est là! Bon, où se trouve-t-il? On ferait mieux de le retrouver. Monsieur Surprise! Il y a la même musique. Monsieur Surprise? Eh oh! Il est là! Attrape-le! Il s'est encore sauvé! Là-bas! On sait où vous vous cachez, Monsieur Surprise! Il est dans la botte. Il était dans la botte. Regarde, il est parti par là. Vite,
Il est trop drôle. Il est toujours caché. Binou, tu entends ça? Êtes-vous là, monsieur surprise? Ah, je sais où il est. Chut, suis-moi. Tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre sa boîte et... Il est dans le placard, Binou. Tu es prêt? On va le remettre dans sa boîte. Allons-y. 1, 2, 3. Allez! Parfait! Il est dans sa boîte. On l'a attrapé, Binou. On l'a attrapé. Binou! Hein? Oh non! Binou doit être dans la boîte. Allez, sors de là! Oh non! Où est Binou? Monsieur Surprise, qu'est-ce que vous... Oh, je ferais mieux d'y aller. Oh, Binou! Vous savez où il est, vous? Par là? Ah oui, peut-être. Vous pensez qu'il est là-dedans? Binou, ce n'est pas Binou. Oh, une autre boîte. Peut-être que Binou est ici. Oh, c'est un canard, mais pas de Binou. Il doit bien être ici quelque part. Je n'ai qu'à ouvrir toutes les boîtes. C'est cette boîte-là. C'est la bonne, c'est la bonne, c'est la bonne. Ah, un poisson. Oh, c'est très drôle. Bon, on va essayer celle-là. Un sandwich au beurre d'arachide, c'est incroyable. Oh, peut-être ici. Non, c'est pas lui. Binou, où es-tu? On a ouvert toutes les boîtes. Quoi? Est-ce qu'il en reste une? Oh, Binou doit être ici. Oh oui, oui, j'en suis sûre. Ah! Un hippopotame avec un oiseau et un œuf. Oh, je l'ai. Oh, Binou, tu es là. Oh, je me suis tellement ennuyée. Bon, oui, monsieur Surprise. Monsieur Surprise? Monsieur Surprise! Oh, vous êtes trop drôle.